L'apparition récente et en force de la chorégraphe allemande Pina Bausch est un événement d'importance pour la danse contemporaine. Formée au classique puis à la danse moderne allemande et américaine, Pina Bausch va d'abord diriger le fameux studio d'Essen, héritage du leader de l'expressionnisme allemand Kurt Jooss. Depuis 10 ans, elle travaille avec sa troupe à Wuppertal, petite ville tranquille de la Ruhr, et impose dans tous les pays son style et ses œuvres. Comme toujours avec les grands novateurs, elle suscite des réactions très vives, à la fois de forte séduction, mais aussi de rejet. Son originalité et sa force résident sans doute dans son mariage de la danse et du théâtre, ses mises en scène minutieuses et l'utilisation qu'elle fait de ses danseurs. À partir de collages, de montages musicaux très subtils, de gestes stéréotypés, de situations répétées et d'éléments souvent autobiographiques apportés par les danseurs eux-mêmes, Pina Bausch charpente ses pièces, un peu comme au cinéma, et elle ajoute la danse. Pour nous livrer son regard très réaliste sur l'humanité, pas de message, seul en scène 26 danseurs formés au classique et au moderne de 13 nationalités différentes, que Pina Bausch choisit méticuleusement pour ce qu'ils sont dans la vie, leurs qualités humaines et leurs talents de comédien. Il nous parle de l'amour, de la tendresse, et il démaquille les comportements endimanchés qui dérapent souvent vers l'ambiguïté, les malentendus, l'hystérie, la violence. Pina Bausch a 40 ans, et le cadre de ses souvenirs est celui de l'Allemagne des pénibles années. Le film que nous vous proposons est plus qu'un documentaire sur le travail de Pina Bausch, c'est un voyage dans son univers à travers son inlassable quête d'amour.